Oyez, oyez! Mesdames, messieurs, j'ai le plaisir d'annoncer qu'un docteur vient passer un mois chez nous. Si le docteur décide de s'installer ici, on va avoir l'usine. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il fabrique des emplois. Qui veut retourner au travail? Maintenant, on doit convaincre le docteur Paul Lewis que Ticklehead est l'endroit le plus merveilleux au monde pour être chez soi. Profitez de notre magnifique port. Tout ce que je te demande, c'est d'adopter une attitude de flirt avec le docteur. Non. Bonjour, moi c'est Paul. C'est génial. Je te demande pas d'avoir des relations sexuelles. Des relations? L'argent par terre. Rien me rend plus heureux que de trouver de l'argent par terre. Je veux dire, tu te promènes et là, bam, il y a un beau billet de 5 qui traîne là. Vous venez de trouver ça? Je viens de le trouver juste ici. Le docteur aime le criquet. Non, c'est pas vrai. Ah bon sang, le vieux. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a aucune idée des règlements du criquet. Ouais! Les deux équipes ont gagné? Retournons au bateau maintenant. Asseyez-vous. Inspirez. Il y a autre chose? J'ai du pied d'athlète qui remonte. C'est de la jambe d'athlète, docteur. Le volume. Attends, mets le haut-parleur. Et comment c'est, cette ville où tu es? Mon avis médical, consanguinité. Qui dans cette salle souffre de pieds d'athlète qui remontent? Frank! Et cette première journée? Occupé, je dois dire. Bien occupé. Si j'étais là, j'attraperais une de leurs battes plates et je leur taperais dessus pour les assommer tous autant qu'ils sont. C'est comme regarder le baseball pour l'éternité. Alors, j'ai pris un coup et... C'est exactement le genre de choses qu'une fille a envie d'entendre quand on a connu cogner à sa porte au milieu de la nuit. Pas trop serré, mon gars. Excuse. Je m'ennuie de toi. Qu'est-ce que tu ferais si t'étais ici? Qu'est-ce que je ferais? Dis-le-moi. Pour l'amour du ciel, dis-lui!